Salut tout le monde, c'est Delta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai récupéré la plupart de mon équipement que j'avais perdu parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monstres ici. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas comment, j'étais tombée dans la lave. Je suis tout d'abord, je suis mort parce qu'il y avait 4 zombies. Ensuite, j'ai été rechercher tout. Je suis mort encore une fois. Et après, je suis tombée dans la lave. Parce qu'il y avait une araignée qui m'y a poussé. Donc, je sais pas comment je vais faire. Surtout que j'ai perdu tout mes nids de veau. Alors que j'en avais pas mal pour la table d'enchantement. Donc, je vais creuser un maximum pour surtout faire de l'XP. Parce que je m'en fiche complètement du reste. Pour l'instant. Non! Oh là là! Quel boulet! Oh le boulet! Oh non! C'est pas possible. Je sais pas si je vais rechercher. Je vais rechercher juste histoire d'avoir la plupart des choses. Mon chat miaule derrière, ça m'énerve. Oh, c'est pénible celui-là. Donc, je suis vraiment pas douée. En même temps, ça fait vraiment longtemps. J'avais oublié de le dire dans les précédents épisodes. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas joué à Minecraft. Donc là, maintenant que je reprends, bah, c'est vraiment très dur. Et je vais voir si j'ai pas mis plus. Bah non, pourtant c'est en mode facile parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de monstres. Donc on va sûrement faire notre table d'enchantement, etc. Et on verra après parce que là, pour l'instant, les cavernes, c'est vraiment pas mon fort. On verra à la limite pour se trouver des animaux de compagnie, comme ça ce sera plus facile contre les monstres. Par exemple un chien qui pourrait nous défendre. Ou des choses comme ça. Donc on va aller... je vais essayer aussi de trouver... je sais pas si j'avais activé les constructions, mais je vais essayer de trouver des villages de PNJ. Donc, pareil, le dernier épisode, il n'avait pas duré 15 minutes. Donc il avait duré un peu moins. Donc je vais essayer de vous faire un épisode de 20 minutes environ pour un peu équilibrer par rapport à la dernière fois. Donc du coup tous les épisodes précédents ne servent absolument à rien mis à part qu'on a du diable. Et il y a encore quelque chose qui nous tape derrière et ça m'énerve. C'est quoi? Vous voyez un peu, c'est le bazar le plus total. On va devoir se refaire des pioches en bois. Il y a derrière moi. Oh, il y a un zombie avec une pelle. Mais oui, carrément, allez. Va-t'en. Je vais te piquer ta pelle, toi. Allez, va-t'en. J'ai pas envie de te voir. Regarde ta tête. Enfin bref, ça m'énerve. Je fais vraiment cette aventure. Bah, je prends du plaisir à faire cette aventure, mais là, de moins en moins, vu que je meurs. Donc je vais pas arrêter, vous inquiétez pas, il y a deux zombies qui arrivent, j'ai plus mes points de vie, je vais encore mourir, vous allez voir. Tellement je ne suis pas doué. Donc j'aimerais bien que celui qui est avec la pelle, bah, il meure. Comme ça, ça nous ferait un peu. Ça nous laisserait un peu tranquille. Allez, meurs toi. Vous entendez tous les clics en plus de moi. Et j'ai des gros coups de lag. Il y a deux zombies encore qui arrivent. Salut les amis, ça commence à me gonfler. Et on va se barrer. Donc là je tourne en 11 fps. Ça va vraiment pas le faire. Regardez-moi ça, c'est lag. Oui, tiré par un squelette. Donc, on va recommencer autre part, parce que là, franchement, les cavernes, j'en ai ras le bol. J'ai envie de balancer la souris contre l'ordinateur. Donc, on a même... Si, on a du bois. Oui, on a du bois, heureusement. On va se refaire un petit peu tout ça. On va y aller tranquillement, sinon on va péter un câble. On va aller tuer des moutons, parce que c'est plus facile à tuer. On va aller dehors, on va tuer les quelques araignées qui pourraient nous... Il n'y a même pas de fer avec nous, donc on va aller devoir chercher du fer. Ou alors on prend du diamant, ouais. Je
sais pas si on use le diamant tout de suite. De toute façon, on en aura besoin après, donc autant. Non, c'est pas comme ça. Ici. Là. Donc déjà, on va se faire une pioche. Et une épée. On va se faire notre table d'enchantement tout de suite depuis le temps qu'on en parle. Donc avec notre obsidienne. Allez. Allez, dépêchons. Il nous faut un livre aussi. Donc la canne à sucre et le cuir vont nous être utiles. Donc le cuir et la canne à sucre. Donc la canne à sucre. Ça nous fait du sucre. Je crois qu'on fait avec du sucre comme ça. Je peux en user trop parce que je suis pas sûre. Évidemment. Non, c'est pas comme ça. Bon. Heureusement que j'en ai pas trop usé, donc j'ai du sucre, en tout cas. Non, c'est pas comme ça. Comment on fait les pages? Je ne sais pas comment on fait les pages d'un livre. Je ne me rappelle plus du tout. Tant pis, on va en user plein. On va mettre ça comme ça, même pas. Je sais plus comment on fait. Bon, tant pis. Donc, pendant ce temps-là, on va aller poser l'obsidienne parce que j'ai pas envie de redescendre dans les grottes pour aller chercher de l'obsidienne. Allez, bouge là, je suis en 0 FPS, c'est n'importe quoi. J'ai des énormes coups de lag. Plus je dois. Je suis pas agréable du tout quand ça m'arrive. On va poser le diamant parce que si on meurt et qu'il y a du diamant, bah là je vais péter un câble. Vous imaginez si j'aurais fait en hardcore? Non, même moi je sais pas, j'imagine pas. L'épisode il aurait duré 5 minutes. Parce que dès l'épisode 2 déjà on est mort. Donc on va poser ça. D'accord, on va poser ça ici en attendant. Voilà. On va prendre notre épée et on va chasser beaucoup de choses. Je sais même pas si on a de la viande d'ailleurs. Comment pour expliquer? Ah, je sais. Je vais déjà aller faire chauffer de la pierre. Donc je vais tuer le mouton, je vais faire chauffer de la pierre pour avoir un maximum d'XP parce que c'est surtout ça qui va être qu'on va devoir rattraper. Après on va devoir rattraper aussi un maximum de matériaux, même si j'en ai posé pas mal dans les coffres. Il faudra qu'on récupère un maximum de choses parce que si on veut faire une maison, quelle qu'elle soit, bah. Là déjà ça va nous XP un tout petit peu. Voilà. On va prendre ça déjà. Hop. Et on va le faire chauffer. Le truc ça va être de pas mourir. On va aller chasser quelques monstres, tuer des bestioles, récupérer de la viande, etc. Donc, sinon, j'aimerais bien trouver, il y a une pierre précieuse qu'on n'a pas, c'est de l'émeraude. Et j'aimerais bien aussi trouver de l'émeraude. Normalement, ça se trouve dans les montagnes, je crois. Dans les grandes montagnes, les... Je sais plus, je crois que j'en avais vu la dernière fois. Entre deux épisodes. Donc, je fais pas mal de choses entre, par exemple, deux épisodes. Pour vous éviter les galères. Je sais pas si je vais... Parce qu'on commence à s'ennuyer un peu dans mes épisodes. Vous inquiétez pas, en tout cas, je vais continuer. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, il nous faudrait de l'encre, ça serait pas mal. Et en plus, ça rapporte de l'XP. Donc,
C'est dommage parce que le charbon ça XP bien. Pareil pour la redstone ou les autres pierres précieuses d'ailleurs pour la plupart. Mais là si on redescend, bah ça va pas trop le faire parce que vu tous les monstres qu'il y a là-dedans, pour l'instant on n'y arrive pas. Donc n'oubliez pas surtout, parce que je sais pas si entre temps vous allez les mettre, pour l'instant j'ai publié que 2 épisodes d'Aventure Minecraft. Parce que je sais pas, je me sens pas, je les publie pas tous. Si on trouve du charbon tout de suite, ce serait génial. On va éviter de trop redescendre parce que sinon. Ah oui, j'avais oublié de faire un seau d'eau aussi. Bon, ce sera pas pour tout de suite parce qu'il faut qu'on retrouve du fer. Ah, il y a un coffre là. Ah, avec un mob spawner de zombies. Meurs. Je peux pas me faire tuer bêtement comme ça. Allez. Tu passes qu'il y a zombie, allez, meurs. Voilà. Faut pas se faire tuer bêtement surtout. Surtout quand on trouve un spawner. Il veut pas remonter mon personnage, du coup on va se faire tuer. Génial. Allez, espèce d'abruti, remonte. Voilà, tu vois, c'est pas difficile. Oh non, non, non! Non, je vais pas mourir. Allez au soleil, vous allez mourir. Non, meurs, meurs. Pierre lisse, allez. Allez, je peux pas mourir. Bon, on a trouvé du fer déjà. Ah oui, on avait trouvé le mob spawner, donc ce serait bien de pouvoir le contrôler pour avoir des carottes. Pour avoir des carottes râpées. C'était nul. Donc c'est pas comme ça que je vais y arriver. Comment on va pouvoir faire? Donc je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne. Combien de temps tourne-t-on? Ce serait plus français de dire ça. Comment on pourrait faire? Ah bah ouais, hein, t'es pas malin comme ça. T'es pas malin comme ça. Moi je mange, toi. Voilà, je mange moi. Toi, tu vas manger. Allez, venez. Venez, les petits. On va les tuer tous un par un, comme ça. On va essayer d'avancer un petit peu. Et si on arrive à contrôler ce truc, déjà, on va ouvrir le coffre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien qu'on trouve par exemple du fer. Ils sont pas doués. Hein. J'annonce, les zombies sont stupides. C'est la nouvelle du jour, ça. Oh, une carotte! Une carotte, c'est génial. Allez, on l'a eu plus vite que Fanta, c'est génial. Oh, c'est puissant. C'est la puissance du Lennon. Non, non. Par contre, ça, c'est pas puissant. Ça non plus. Meurs. Voilà. Ha, ha. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, un disque!
Yeah, on va pouvoir écouter de la musique. Souvent les musiques elles sont nulles, mais bon. Toujours ça, donc on a du blé, du pain, on va pouvoir faire un peu de récolte et on va pouvoir monter sur le dos d'un cochon. Donc, on va récupérer le coffre, parce que moi j'ai envie de récupérer le coffre, parce que je suis un radin. Donc. Oh! Comment il a pu venir lui? On va faire comme ça. Voilà, normalement il ne devrait pas pouvoir venir. Comme on sait jamais, on va fermer aussi. Non, il ne devrait pas pouvoir sortir. Et nous, on va creuser ici. Voilà. Est-ce qu'on va péter le mauvais spawner? Non, je pense pas. Par contre, on va ouvrir ici. Voilà. Ça va être marrant ici, on va s'éclater. Pète le coffre, pète le coffre, pète le coffre. Voilà, et ça va nous permettre un petit peu d'XP. Faut pas qu'on se retrouve face à des ennemis. Donc, attendant, on va tuer du poulpe. Voilà, bah finalement, on s'en sort pas trop mal, on va dire. Donc, on a notre carotte, on a un disque, on a un machin. Je sais pas. Donc, comment est-ce que je pourrais commenter à l'avenir? Parce que c'est vrai qu'on commence à s'ennuyer dans mes épisodes. Donc, je pense vous donner quelques conseils. Parce que je suis peut-être un noob, mais bon, pas trop non plus. Donc, je peux me permettre de vous donner quelques conseils à propos de Minecraft pour les débutants. Donc, pour ceux qui veulent un meilleur guide, bah forcément, allez voir. Allez voir le guide pour bien débuter de Fanta, parce que c'est vraiment bien expliqué, et puis on s'éclate pas trop mal. Mais là, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose dans mon aventure. Bon, je vais continuer, faut pas s'inquiéter. Mais c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, donc... Surtout que je sais rien crafter, vous avez vu, je sais même pas crafter un livre. Crafter une page, je veux dire. Donc je vais aller voir sur... sur YouTube, et voilà, donc toi tu meurs, on va venir récupérer une deuxième carotte. Allez, toi aussi tu meurs. Regardez ça, ça s'appelle du spawn kill ça. C'est pour ça qu'on avait pas mal de monstres, parce qu'on n'est pas trop loin de la caverne qu'on avait avant. Donc on était peut-être tombé à côté d'un mob spawner. C'est fort probable en tout cas. Donc on va remonter, voir s'il fait jour ou nuit. On va prendre du charbon pour rien que pour XP. Voilà, et on va sûrement se quitter ici parce que on a des creepers et tout ça, donc on va sûrement mourir. Donc c'est pour ça que je préfère qu'on se quitte maintenant au lieu que je tombe comme tout à l'heure dans la lave. Enfin, là il n'y a pas de lave, c'est de l'eau, mais c'est pas grave, c'est pareil. Donc
Voilà, dès que j'arrive à monter dans 2 ans. Oui, allez, allez. La liberté! En plus, il fait nuit. Donc, on va rentrer à la maison parce que sinon, si je coupe l'épisode maintenant, bah, entre temps, pour le temps d'enregistrer, etc., je vais me faire tuer. Donc, je vais rentrer à la maison. Qu'est-ce que je disais? Et pour le prochain épisode, on va se faire notre table d'enchantement parce qu'entre-temps, je vais voir comment on fait un livre et je suppose que c'est avec des cannes à sucre. Donc l'épisode, il a duré un peu plus longtemps que prévu. C'était pour me faire pardonner de l'épisode qui avait dû durer 10 minutes. Donc c'est vraiment pas suffisant, je trouve. En tout cas, pour un épisode Minecraft, déjà qu'on s'ennuie bien, 10 minutes, on s'ennuie pas beaucoup. Donc si on s'ennuie, autant s'ennuyer longtemps. Et en ma compagnie en plus. Voilà, donc on va choper des citrouilles. Oui. Donc, on arrive à la maison. Ouais, à la maison. Et bah entre-temps, je vais pas faire grand-chose entre les 2 épisodes. Je vais sûrement relancer un autre épisode. Sauf si le creeper. Tu touches pas au pissenlit. Mais. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Pauvre petit pissenlit. On va le rapporter à la maison. Il va se faire un copain. Voilà, donc on est que niveau 7. On a perdu nos 20 autres niveaux. C'est très triste. On aurait pu se faire une super épée. Maintenant, on va se faire une épée toute pourrie avec tranchant 1. C'est tout. Donc, on se dit à plus tout le monde pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que ça, c'est cool. Allez, salut tout le monde.